Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vais commencer par vous lire un message du président de la République française. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier d'avoir choisi Cannes pour la tenue de la 5e édition de la World Policy Conference, où sont évoquées des questions essentielles pour notre avenir commun. On souhaite et que la World Policy Conference devienne progressivement un véritable club transversal au bénéfice de cette gouvernance et qu'elle contribue à ce que notre monde désorienté retrouve le sens du sens. Les quelques progrès réalisés pour rendre ce monde un peu moins mauvais, on les doit essentiellement aux constructivistes. Le pétrole, c'est de l'énergie, le pétrole, c'est de la vie, le pétrole, c'est le bonheur, et c'est certainement pas une malédiction. La Côte d'Ivoire est en train de réussir son décollage économique. La Côte d'Ivoire a ainsi rejoint les pays avec le plus fort taux de croissance en Afrique et dans le monde. La résilience du peuple libanais ne s'est jamais démentie dans la guerre. Dans la paix, le Liban continuera à porter les valeurs qui nous tiennent tant à cœur, de la tolérance, de la démocratie et des libertés civiles, en espérant qu'elles deviennent aussi celles de toute notre région. We are slowly leaving the existential crisis mode, and people are realizing this more and more. There is an increasing confidence in the Eurozone's future, a growing sense that we will get there. What about the euro crisis? The euro crisis, in my view, is over as regards the most visible financial manifestations of it. I hope and I believe it is over. All countries in Europe, in my opinion, have, without any exception, have to work on their structural reforms. Merci à vous toutes et à vous tous, et j'espère que, en dépit de toutes les difficultés, comme diraient les Chinois, la World Policy Conference a 1000 ans devant elle.